Panique, panique! Oh mon Dieu! Je la sens pas! Bonjour, bonjour! Ici Sierra Brazienne pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Pokémon Épée. Et là, je la sens pas du tout, la zone. On va dire ce qui est, je ne la sens pas du tout. Du tout, du tout. Je vais envoyer Grigny aussi. Si on a eu toutes les météos. Et Claude fait pas un melting pot de météo, a priori, on va avoir du sable, donc des Pokémon de type sol et roche. Donc des Pokémon dragon, petit sol, donc ça serait potentiellement Libégon. Roche, acier, non bah c'est acier, puisque c'est le Duralgon. C'était montré dans les trailers. Donc on va avoir de l'acier et du sol et de la roche. Oh je la sens mal. Oh, je la sens mal. On va le faire, mais je la... Sol, roche. Alexander, t'en crains pas. Attendez deux secondes, là, je réfléchis parce que ça va faire... Ça va être problématique. Alexander ne t'en crains pas. Tankera pas, pas possible. Tankera pas les attaques de type sol, surtout sous tempête de sable. Bah, j'ai rien qui tank de toute façon. Si, ça. Bon, bah, il va y aller. Hein. Aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. Yeah! Yo! Mais qui voilà, t'aimes te faire désirer, Challenger? J'avoue, je suis pareil. Je comprends maintenant pourquoi tu as été recommandé personnellement par Tarak. Hey, je sais que ton but ultime, ton endgame, c'est de l'affronter. Mais pour gagner, faut gagner d'avance. Je crois pas que ça sera aussi simple que dans les autres arènes. Hein. Je me contente pas de plier la météo à ma volonté. Je me spécialise dans les 2 contre 2. Eh ouais, il faut être prêt à tout quand on ose défier le grand Roy. Ah non, quand même pas dans ton stade. Bon, hé. Hey. Ouais, c'est ça. Roche. Et dragon. Bourrasque souffle tempête de sable. On va y aller au Blockhaus. Et avec toi. Non, je vais pas changer de Pokémon. Et avec toi, je vais y aller. Tambour battant. Hein. Sur le Gigalith. Voilà, a priori ils vont l'attaquer, donc ça sera pas mal. Point éclair, bah j'ai bien fait. La vache, il a point éclair, ce salaud culot. Poison. Tambour battant, logiquement ça va faire des gros dégâts. C'est bon, Gigalith parti. Un de moins. Oui, c'est pas plus mal que tu gagnes un petit level là. Libégon qui est empoisonné, donc ça c'est bien. Libégon point éclair, je ne pense pas qu'il arrive à one shot Ivy. Donc je peux me permettre de faire une... de me faire une aqua brèche sur le Libégon, ça serait un petit critique. En plus un Pokémon de type sol dragon, donc il a perdu son immunité contre les attaques de type eau. Ça sera intéressant. On va voir ce que ça donne. Abattage. Aïe. Mais du coup il va se prendre l'attaque de casque brut. Enfin le DP de casque brut. Oh pas mal. Tambour battant, par contre il a baissé mon attaque physique. Du coup le Duman Kondo n'est pas mort, ça c'est embêtant. Regard médusant sur Grigny.
Aqua Brèche. Coup. Coup critique. Je vais finir avec un Aqua Brèche sur Libégon et avec mon... Je vais le tenter avec Napoléon en espérant qu'ils n'ont pas d'attaque de type proche. Pourquoi? Parce que Pokémon qui a une attaque de type combat, la plus puissante des attaques de type combat, ça peut potentiellement le faire. Abattage. J'aime pas quand tu baisses mon attaque physique. Et Libégon meurt sur le casque brut. Du coup, je vais faire Aqua Brèche sur le Pokémon de type Crofeu. Ah, il avait Crofeu quand même. J'ai bien fait de retirer Grigny. Donc les trois sont partis. Il va plus rester que le dernier là, ça va être Duralgon. La seule Pokémon, mes options se réduit. Mais il faut pas. Bon, Duralgon, de toute façon, je suis en train de me niquer la foi. Essayer de faire ça, moi. Alors, je vais changer toi. Je vais te mettre à la place de Alexander. Parce qu'a priori, j'aurai beaucoup plus de possibilités. Attaque. Dynamax. Et Pugilamax, parce que ça va être la plus puissante Pugilamax qu'il a. Pourquoi puissance 95? Surpuissance, c'est une attaque 120. Et si je le passe en Pugilamax? Et 95? Bah, surpuissance dans ce cas-là. Dynamaxerait avec avec Alexander, ça me paraît logique. Tremblant par terre va tout balayer ton Pokémon. Alors là par contre j'ai peur qu'il ne puisse réussir à me un petit selfie avant de balancer la Pokéball. Quand même il peut potentiellement réussir. Oh, un étage, un immeuble avec des choux. Peut réussir potentiellement à me tuer des Pokémon. Usure J-Max. Attaque dragon. Ah, sur Alexander, ça va, ça fait pas de dégâts. Surpuissance. Ça par contre, ça va te faire des dégâts. Et je baisse l'attaque et la défense. Bon allez, il est temps d'en finir je crois. Attaque, Dynamaxé, Enchantomax. Attaque, surpuissance, Duralgon. Enchantomax ça va faire des attaques neutres. Mais de toute façon j'avais rien qui soit vraiment sensible dessus. Parce que dragon, acier, le feu est neutralisé, le feu est neutralisé. La glace est neutralisée aussi. C'est une très très bonne combinaison. Hein. Litomax. Ah! Oh non! Ah! Oh non! J'ai pas pensé qu'il aurait ça. Napoléon! Poil au bidon! Ah zut! Ah Napoléon! Ah, bah oui!
Bah on va y aller avec Ivy, mais... Aïe 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 aïe, j'avais pas prévu. J'avais pas prévu le coup. On va y aller avec... On va y aller avec le Pyromax, hein, tant pis. Oh non, Blockhaus. Ça ne bloque pas la totalité des points des dégâts qui pourraient lui être imposés, mais ça va en bloquer une grosse partie quand même. Et par contre, les Pokémon ont le droit d'être, même Gigamaxé, ont le droit de... Gigamax, ah, ça fait quand même des dégâts. Hein. Napoléon qui est mort. Sérieusement. Bon, vous me direz, sa nature était pas très bonne. Mais c'est resté quand même. Je l'ai pas beaucoup utilisé. Aïe 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 aïe. Sérieusement quoi. Napoléon. Poil au bidon. Mon poil au bidon est parti. J'ai perdu, mais je garde ma dignité. Surtout pour les selfies. Y a pas à dire. Ça fait du bien un bon combat, hein. Ça remet les idées en place. Faut vraiment que j'arrête de me reposer sur mes lauriers, moi. Je prétends être le plus grand rival de Terraric, mais je me fais battre par des challengers. Comme toi, là. Et c'est pas comme ça que je vais devenir maître, moi. Enfin, bref. Tiens, c'est la preuve de ta victoire, le badge dragon. Yeah! Oh, j'ai tout le badgier. Bah, le badgier, le truc pour mettre les badges. N'importe quel niveau vous suivra. Maintenant, tu détiens tous les badges de galère. A toi de jouer, si tu veux avoir une chance d'affronter Tarak, il va falloir que tu gagnes tous tes matchs. On verra bien si t'en es capable. Eh ben, on verra bien. On verra bien, mon petit père. Maintenant que tu as tous les badges, tu es prêt pour le Pokémonster. Hey, Abrazen! Ah, j'ai oublié de te donner 3 trucs. D'abord, un petit cadeau qui mérite bien d'avoir terminé mon arène de pro. C'est abattage. D'accord. Abattage. Le lanceur balaye violemment le camp adverse de son immense queue. Baisse l'attaque de la cible. C'est très bien, ça. Et l'uniforme de type dragon. Challenger Riser numéro 999, tu as réussi le défi des arènes. Maintenant, ce sont les Pokémasters qui commencent pour toi. Tu vas pouvoir mettre ta force à l'épreuve. Roy, c'est moi, je viens mettre ta force... je viens mettre ma force à l'épreuve. Ha! Et voilà le frérot né de Tarak. Je t'attendais, Microbe. Et je viens de me... Tu viens de me parler de preuve à moi. Tu vas repartir en pleurant dans les jupes de mer. J'aimerais bien voir ça. J'ai peaufiné ma technique, ma tactique, mes tics, pardon. Non, mais cherche pas. Attention les yeux, je vais rentrer dans l'histoire, je vais te battre, Roy, ensuite ce sera Bryson. Et pour finir, je vaincrai mon frère. Allez, ciao Bryson, je ramène ça pour quand tu veux. N'hésite pas à te faire le tour de la Terre Sauvage, hein, histoire de t'entraîner à fond. Yeah. Bon, bah on a accès au Pokémaster. Ne demandez pas où est-ce que c'est ou comment on fait. J'en sais rien du tout. Eh, hey, Abrazen, félicitations pour ta victoire contre Roche. Je suis super contente pour toi. Faudra qu'on fête ta réussite au défi des arènes. Allez, joins-toi à nous 2 minutes. Oh! Bah oui, surtout que j'ai changé ma couche, moi, depuis tout à l'heure. Grand-mère, tu avais raison pour la lumière qui a illuminé Kidagenheim. Elle correspond en tout point à la description de la Nuneur qui a failli détruire Galar. Avec tous les Pokémon qui ont Dynamaxé. C'est ce que je craignais. Comme tu le sais déjà, cette énergie contenue dans les étoiles veut tomber sur Terre qui nous permet de Dynamaxer. Mais nous ignorons toujours comment contrôler cette énergie. Et toutefois, si nous pouvions déterminer qui étaient les 2 héros de la légende, nous trouverions peut-être un indice à ce sujet. L'épée et le bouclier légendaire. Sonia, ma petite fille chérie, je pense qu'il est temps que tu hérites de ma blouse blanche. Hein? Ça a des pouvoirs magiques? Non, elle est dégueulasse en plus, mais ce serait pour que tu la laves.
Tu es sûr, grand-mère? Mais j'ai pas encore fini mes travaux de recherche. Justement, c'est peut-être le coup de pouce qu'il te faut. Trop classe! Je sais pas quoi dire. Je suis vraiment ému, super ému, giga ému. Pour découvrir la vérité, tu as pris le primordial d'en apprendre plus sur la nuit noire. Et des deux héros qui l'ont repoussé par le passé. Tu es clairement la mieux placée pour démêler l'histoire de la légende. Merci, grand-mère. Je vais m'occuper de toute cette histoire, donc concentre-toi sur ta compétition, tu tiens. Je tiens absolument à ce que Nabil et toi, bah, vous battiez Tarak en finale. Et puis, allez, va vite à Whiskord. Dépêche-toi et rate pas ton train. Ah, c'est par train qu'on y va, d'accord. Eh ben, c'est bien. Je vais aller déposer mon petit âme à Poléon. C'est rude quand même, c'est rude, c'est très rude. C'est très rude parce que entre Napoléon qui était pas... donne ton objet. Qui n'était pas si mal et qui est mort, et Ivy qui est très mauvais et qui est vivant. Bon, bah j'espère que je vais avoir des bons... hop, non, faut que j'aille me soigner. Parce que je connais les bestiaux, ils sont pas venus me donner les points de vie. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Allez, on va aller jusqu'à la gare. On va peut-être avoir des nouvelles zones. Il y a sûrement encore des routes. Assurez-moi, il y a encore de la route avant Whiskord. Je me gratte le nez. On a... Tchout-tchout, la route... C'est tout? La route 10? Il n'y a pas de route 11? J'ai fait toutes les zones. Là, il n'y avait pas de Pokémon à capturer. Là non plus. Oh la vache, j'ai plus qu'un seul Pokémon que je peux capturer. Ah ouais! Oh rude! Un seul Pokémon à capturer. Attends-moi, Bryson, tu sais quoi? J'ai pas tué Roy! Je le savais, je suis bon en fait! Et pendant tout le combat, il a pas arrêté de parler. C'est pas le même caractère que son frérot celui-là. Mais j'avoue, tu manques pas de mordant, Nabil. La preuve, t'as réussi à m'arracher le badge de dragon. Allez, les petites têtes, je compte sur vous pour assurer comme des pros au Pokémaster. Voire même défier Dark. Nabil, grand favori, pour vous servir. Accompagné de son fidèle rival, Abrizen. T'en fais pas, on va tout faire pour gagner, même pour les... Merci pour la leçon que tu nous as enseignée. Le train est là, allez, on y va. Et dans des mordants. Oh, une petite cinématique. On bat Henri, on bat Henri, on bat Henri. La dernière ligne droite, bientôt Winscoo. Bon, là par contre, je vous laisse lire. Parce que là, j'ai plus de voix. Ouais, ouais, tout le monde te demandera. Déjà? Fiche. Bonjour, t'as quelque chose à me donner? Non. Fondu? Ah non, c'est une route de nez. Ah oui, c'est une route de nez, a priori. On dirait un mur de neige. Va être blindé au Pokémon de glace. Trop bien! Je crois qu'on a encore progressé avant le Pokémaster, je dirais que ouais, je crois que mon équipe ensemble on peut tout faire. Ouais, sur ce je file, on se retrouve à Winscore. Bon, bah écoutez, on a ouvert le... Oh, tiens, bien sûr.
On a ouvert ça. Donc le prochain épisode, on se fera la route 10. On se fera une team à peu près correcte. Donc je commencerai à faire une team à peu près correcte et après on commencera, je sais pas encore. Le fait est, c'est que là on va avancer pas mal dans le jeu. Puisque en fait il nous reste la route ici à faire. Après on a... on a la ville qu'on va avoir, la Windscore, qu'il va falloir qu'on se poutre, qu'on se fasse correctement, qu'on se le trouve correctement. Il va falloir qu'on fasse le Pokémaster. Après il y a toute la trame scénaristique. Encore d'autres combats. Je réfléchis en même temps, hein. Et après, on aura la route victoire. Ouais, il reste encore pas mal de trucs quand même à faire. Il reste pas mal de trucs à faire, mais le problème, c'est que j'ai plus de zone à faire. J'ai plus de route. Et ça, c'est très problématique. Bon, on verra bien. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye!